Il y a longtemps que j'ai pris un coup de froid. Parce que Le Havre en a eu. Oui, c'est vrai. Et Le Havre, combien? Je pense que s'il y a 0-0, c'est bien. Après, on perd le match. Écoutez, tant mieux pour Le Havre. Hein. Je ne remets pas en cause la défaite. Après, c'est vrai qu'on a été poussif. On n'a pas produit grand-chose sur le plan offensif. On savait aussi que quand cette équipe était capable de mener, elle serait difficile de jouer parce qu'elle défendait bien. On n'a pas su trouver les clés. Donc, ça, c'est comme ça. Après, écoutez... On va pas te non plus, je ne vais pas te remettre en question parce qu'on a perdu ce soir. Hein. On sait que notre maintien passe par 41-42 points. Il faut qu'on aille les chercher. On n'a pas su le faire ce soir. On a un match important et intéressant qui arrive la semaine prochaine à 3. Ben, nous, de remettre les pendules à l'heure et d'aller chercher les points que nous avons perdus ce soir. Pourquoi vous avez dû trouver des décalages en première mi-temps? Est-ce que vous arriviez à les mettre en opposition? Pourquoi? Ouais. Ils ont un peu étouffé. On a l'impression que vous trouviez moins de solutions. Quand vous avez 10 joueurs qui défendent dans leur moitié de terrain et dans 40 mètres de leur but, sur 40 mètres, c'est difficile de trouver des espaces, c'est difficile de trouver des solutions. Je pense qu'on a fait une bonne entame, avec quelques situations intéressantes, même s'il n'y a pas eu de réel danger pour cette équipe havraise. Et puis je pense que ce but nous fait mal, parce que je vous signale quand même que c'est la seule frappe du Havre en première mi-temps. Tant mieux pour eux, ça fait partie des réalismes du football. Encore une fois, je ne minimise pas et je ne remets pas en question la victoire du Havre. Je pense que nous, effectivement, nous avons été en dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe qui nous pose des problèmes, parce qu'il y a l'obligation de faire le jeu, il y a l'obligation de faire des résultats, et puis qu'on ne peut pas toujours gagner des matchs 4-3. Il faut savoir l'accepter aussi. Techniquement, du coup, c'est vrai que comme l'Havre était bien regroupé derrière, techniquement, on n'a pas su trouver la solution. On a manqué de justesse. On a manqué de justesse dans la dernière passe, dans la dernière intention, dans le dernier contrôle. Ça, on sait que c'est pas notre fort aussi. On a besoin d'espace, on a besoin de puissance aussi. C'est comme ça. Écoutez, on va pas non plus pas parce qu'on a perdu ce soir que je vais oublier tout ce que cette équipe a fait depuis un mois et demi. Donc on va l'analyser cette défaite et puis c'est pas pour autant encore une fois que je suis abattu et que je vais tout remettre en question et que je vais pleurer parce que on a que 30 points ce soir. Oui, on a changé notre organisation, c'était volontaire de ma part. Après, parfois ça marche moins bien, parfois ça ne marche pas. Mais bon, je pense que ce n'est pas un problème d'organisation, je pense que c'est un problème de justesse dans le jeu, dans les 35 derniers mètres, où on n'a pas su, où on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui défend encore une fois relativement bien. Quand on regarde les résultats du Havre à l'extérieur, ben, on se rend compte que ce n'est pas le fait du hasard non plus. Mais attendez, mais j'ai... Voilà. Je voulais vous répondre, je ne vous réponds plus. Ça a démarré ce matin quand j'ai pris ma voiture à 11h pour aller chercher ma petite fille à l'école. J'avais un peu la plage, j'ai dit ça se goupille mal. Non, je suis désolé, hein, je ne peux pas vous répondre. Non, après pour. C'est une grosse bataille, en tout cas. Mais on le sait, ça. Mais on le sait depuis le mois de juin, nous. On le sait, on est programmé. Il y a 3 points d'écart entre le 11e et le 18e. Eh bien, écoutez, reprenez le classement et vous verrez qu'au mois de novembre, on était 19e. Avec 5 points de retard sur le premier relégable. Donc aujourd'hui, je ne vais pas pleurer. On sait que ce sera difficile. On n'a jamais dit, en ayant gagné à Laval, qu'on était sauvé. Et on sait qu'il nous faut 41-42 points. Eh bien, il faut qu'on aille les chercher. Mais on ira les chercher, ne vous inquiétez pas. Oui? À la fin? Non, à la fin, je leur ai dit de pas baisser la tête, parce qu'il y a des matchs comme ça, où on tente des choses, on ne les réussit pas, on manque de justesse de jeu, mais après, encore une fois, c'est pas pour autant qu'on a perdu, une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Il me semble qu'on n'a pas perdu la guerre. Il y a encore des échéances. Écoutez, on va continuer à bosser comme on le fait, dans le même état d'esprit, avec le même sérieux, et avec toujours la volonté de fournir le meilleur jeu possible. Non, là, je pas a priori, non. Non, a priori, non. Là, je vais avoir une jeune chance suspendue la semaine prochaine. Pardon, mais je vais récupérer certainement Flo le jeune.
Non, non, au niveau de l'infirmerie, tout le monde est sur pied. Flo Tardieu. Flo, il était malade, donc je pense que je vais le récupérer lundi. Mal Fleury, il a encore pour un moment, il a été opéré quand même. Il ne faut pas l'oublier. Messieurs, merci, désolé. Plaignez-vous auprès du FC IOP, donc de Busan. Aurélie. Oui. Allez, bonsoir. Bon week-end. Oui, bien sûr. Bah, pour nous, oui. Elle était vraiment, elle est très importante au vu d'ailleurs des résultats ce soir. Donc, c'est vrai qu'il était impératif de faire d'abord une bonne performance. On a bien défendu. Je serais tenté de dire comme ces derniers temps à l'extérieur. Donc, on est très solide à l'extérieur. Voilà, on a eu le bonheur de marquer sur sur une belle occasion. Bon, je pense qu'on aurait dû mieux profiter de certaines très bonnes opportunités qu'on a eues. On l'a pas fait, donc après c'est vrai qu'on reste à 1-0 et ces derniers temps, c'est vrai que quand on est à 1-0, on craint toujours les dernières minutes. Voilà, mais on a su bien résister. On a vu une équipe ce soir qui a répondu clairement à l'opération maintien qui est lancée depuis plusieurs journées maintenant, mais ce soir ça fait pas de doute, ils vont se battre jusqu'au bout, on a vu des guerriers ce soir, tu es d'accord avec ça ? Oui, mais c'est dans la continuité de nos matchs à l'extérieur. Hein. On est vraiment, on est dans l'esprit, on est bien organisé. On a quand même pas mal de maîtrise, mais c'est vrai que on doit sans doute encore mieux gérer les situations pour se mettre à l'abri. Donc tant qu'on est, tant que le score n'est pas et n'est qu'à 1-0, on a tellement payé, on a tellement perdu de points dans ces situations, c'est vrai que je comprends aussi que les joueurs soient par moments un peu stressés. Vous n'êtes pas malheureux ce soir pour une fois, en train de vous marquer sur votre seul tir en mi-temps ? Ouais. Ça fait du bien que la chance tourne du bon côté ? Ouais, ça fait du bien, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on était un peu frustrés par rapport à ça, donc aujourd'hui, on n'a pas fait la meilleure performance. Objectivement, on n'a pas fait la meilleure performance sur les derniers matchs qu'on a fait, mais le résultat pour nous était diablement important. Vous avez su quand même très bien étouffer cette équipe d'Istres en deuxième mi-temps. Elle trouvait des décalages qu'elle n'a pas trouvé. Oui, on a une organisation de jeu qui est bien respectée, bien en place. Oui, on a su contenir cette équipe de Istres qui a des qualités et qui a un bon potentiel offensif, on le savait. Donc on a tout fait pour aussi préserver ce but. Par moment, et c'était le cas ce soir, il faut savoir s'arc-bouter, bien défendre pour obtenir les 3 points. C'était vraiment aujourd'hui le résultat qui était le plus important presque aujourd'hui que la manière. Ouais, plus ou moins volontaire. Moi, j'aimerais qu'on défende forcément un petit peu plus haut, voilà. Mais on recule aussi parce que Istres aussi, à un moment donné, a un peu abusé du jeu long, et donc là, on est un peu obligé de reculer. Voilà. Non, mais on s'adapte. Ça nous déplaît pas non plus de défendre bas. Juste une question un petit peu anecdotique, mais le Marchand, Maxime Marchand, milieu défensif. Pourquoi ne pas l'avoir fait débuter ? Il n'était pas prêt à faire 90 minutes. Ouais. Et pourquoi ouais, exactement, ouais. C'est ça. Pourquoi Maxime sort de deux récidives de blessures. Donc là, il a eu une bonne semaine d'entraînement avec le groupe. Donc il n'aurait pas pu débuter. Donc voilà, il fallait lui permettre de reprendre, surtout de la confiance d'ailleurs. Un peu de physique, mais surtout de la confiance. Et donc, il était prévu que je le fasse rentrer à un moment ou un autre. Et donc, toute la semaine, d'ailleurs, il a joué milieu de terrain pour justement reprendre ses marques. Et donc, j'ai considéré que c'était plus intéressant pour lui de rentrer au milieu. Mais ce sera pas un milieu de terrain pour la fin de saison ? Non, je pense pas, non. Est-ce que cette victoire marque un nouveau départ au niveau du physique, comme disait les confrères ? Vous me
revenez à zéro, et généralement, dans ces moments-là, vous perdez un peu le pied, vous commencez à rentrer, alors que là, vous avez été très solide. Oui, mais on avait gagné aussi à 3-1-0 il n'y a pas très longtemps. Donc à Lens, on doit gagner 1-0, on se fait reprendre à la 94e. Donc beaucoup de, voilà, beaucoup de matchs à l'extérieur quand même qu'on maîtrise assez bien. D'ailleurs, on est, je pense, avec la victoire de ce soir, on est sans doute une des équipes, une équipe performante à l'extérieur. Mais je pense qu'on doit quand même se mettre à l'abri. Il y a des situations quand même qu'on doit mieux gérer encore ce soir pour vivre peut-être plus sereinement donc les fins de match. Merci. C'est bon. Merci.